Monsieur Pierre Jacob, si vous avez la gentillesse de nous tracer, de nous définir le programme philosophique et épistémologique de l'empirisme logique. Alors, dans les années 20, en Europe centrale, dans les grandes villes, notamment en Autriche, en Tchécoslovaquie, à Vienne, à Prague, en Allemagne, un certain nombre de philosophes, de logiciens, de scientifiques se réunissaient dans des cercles. Il y avait notamment un de ces cercles, était un cercle qui se réunissait à Vienne, qui était composé notamment de philosophes comme Carnap, comme Otto Neurath, qui était lui-même un philosophe et un économiste, également le philosophe Schlick, le logicien Kurt Gödel, qui a joué un rôle si éminent dans le développement de la logique, et bien d'autres. Dans les années 26, 27, 28, se réunissaient donc à Vienne. Il y avait un autre cercle à Berlin, par exemple, qui était animé par un autre philosophe éminent qui s'appelait Hans Reichenbach. Et ces philosophes, qui étaient avant tout des philosophes des sciences, au fond, se sont donnés pour tâche fondamentale d'élucider la nature des théories scientifiques, la nature de la démarche qui produit des théories scientifiques, en essayant de comprendre en quoi consiste la démarche scientifique, qu'est-ce qui confère aux théories scientifiques leurs caractéristiques fondamentales, le programme étant donc d'essayer de reconstruire, grâce aux instruments notamment de la logique nouvelle, qui avait, je vais y revenir dans une seconde, qui avait été fondamentalement modifié et bouleversé au tournant du siècle par les travaux, en particulier vers les années 1860, d'abord par Boole en Angleterre, mais aussi surtout en Allemagne par Gottlob Frege au tournant du siècle, dans les années 90, et j'en dirai un petit mot, et puis programme qui a été approfondi par Bertrand Russell et Alfred Whitehead en Angleterre dans les années 1905-1913, date de la publication des Principia Mathematica. Donc une nouvelle logique naissait, et ces philosophes qui étaient les membres du cercle de Vienne et ceux qui étaient à Berlin également ont pensé qu'il était fondamental d'utiliser ce nouvel instrument, une sorte de nouvel organon qui était la logique qui venait d'être créée, la nouvelle logique qui venait d'être créée, afin de permettre d'analyser la nature des théories scientifiques et de comprendre ce qui fait qu'une théorie est scientifique, qu'est-ce qui confère à ces théories la caractéristique d'être des théories scientifiques. Alors, au fond, les deux idées fondamentales qui ont présidé au développement de ce qu'on nomme maintenant l'empirisme logique, ces philosophes ont qualifié leur programme à la fois d'empiriste logique et de positiviste logique. On peut la différence de nuance entre le sens du terme empirisme et le sens du terme positivisme mérite qu'on s'y arrête une seconde, mais les deux idées fondamentales étaient que les deux traits fondamentaux de leur programme, donc, c'était d'une part qu'il convenait d'utiliser la logique pour analyser les théories scientifiques, et d'autre part que les théories scientifiques avaient un rapport privilégié avec l'observation et avec l'expérimentation, avec l'expérience. Alors, la différence entre le terme empirisme et le terme positivisme est que les empiristes, et ça c'est une idée classique dans la philosophie traditionnelle, disons dans la philosophie classique en tout cas, depuis le XVIIe siècle, dans la grande tradition, disons, des philosophes comme Locke, comme Berkeley, comme Hume ou comme John Stuart Mill, par exemple, est l'idée que notre connaissance de la réalité, ça c'est une idée empiriste, notre connaissance de la réalité
dépend de nos capacités d'observer la réalité, que nous ne pouvons, soutiennent les empiristes, nous ne pouvons connaître la réalité, nous ne pouvons connaître le monde extérieur, nous ne pouvons connaître la nature du monde que si nous procédons à des observations sur le monde. Et cette idée, en quelque sorte empiriste, évidemment, s'oppose à l'idée rationaliste classique qu'on trouve également dans la philosophie classique, disons de Descartes à Leibniz et Spinoza jusqu'à Kant, qui est que il y a en fait, on ne peut connaître le monde, soutiennent les rationalistes, que grâce à un cadre a priori qui dépend de la structure fondamentale de l'esprit. Donc il y a dans la philosophie traditionnelle une sorte de débat fondamental ou de controverse fondamentale qui n'est pas une controverse qui est réglée, disons, entre le rôle que joue la structure fondamentale de l'esprit pour la connaissance du monde, pour la connaissance de la réalité, d'une part, et d'autre part, l'importance de l'observation sensorielle, de recourir à la vision, notamment à la vision, mais aussi à d'autres modalités sensorielles comme l'ouïe ou comme le toucher, etc., pour déterminer les propriétés des objets du monde qui nous environnent. Donc, à cet égard, et ça on verra, je pense, dans une seconde, les membres du cercle de Vienne qui souscrivent à l'empirisme logique, disons, se situent certainement dans le camp de l'empirisme par rapport à cette dispute. Ils soutiennent que notre connaissance rationnelle, scientifique de la réalité dépend fondamentalement de l'expérience, mais comme on va le voir, leurs idées ne peuvent pas être simplement qualifiées d'empiristes. On va voir notamment que disons, à partir du milieu des années 30 et surtout dans les années 50, l'un des philosophes les plus éminents, qui est Quine, par exemple, qui est un philosophe américain, va montrer qu'il y a dans le programme de l'empirisme logique, en fait, un résidu rationaliste, que, au fond, disons, la critique que Quine va adresser au programme de l'empirisme logique, programme qui a beaucoup influencé Quine, la critique fondamentale que Quine va diriger contre Carnap en particulier, qui est probablement le philosophe du cercle de Vienne et de l'empirisme logique, peut-être avec Hans Reichenbach, le plus important, celui dont l'œuvre est la plus importante. Donc, la critique de Quine consistera à montrer qu'il y a encore chez les empiristes logiques, disons, l'adhésion à certaines croyances de type rationaliste. Oui, j'aurais dû d'abord, j'aurais voulu faire une petite distinction entre le sens du mot empirisme et le sens du mot positivisme, puisque les philosophes qui souscrivent à ce programme se qualifient tantôt d'empiriste logique, tantôt de positiviste logique. Donc le terme positivisme leur vient de philosophes, disons, qui sont pour eux, par rapport à la période dont nous parlons, c'est dans les années 20, des philosophes plus contemporains que, disons, Locke, Berkeley et Hume, qui, eux, représentent l'essentiel de la tradition empiriste, les philosophes qui se sont réclamés de ce qu'on peut appeler le positivisme, ce sont d'abord le français Auguste Comte, donc au milieu du XIXe siècle, dans une certaine mesure aussi John Stuart Mill, également... Des scientifiques, en particulier le physicien très important Ernst Mach, qui a longtemps été enseignant, professeur de physique à Vienne, et qui, au fond, se réclame lui aussi du positivisme. L'idée fondamentale, très simple, du positivisme, à la fois, disons, dans l'œuvre de Auguste Comte, mais aussi dans les écrits du physicien Ernst Mach, c'est que il y a un lien entre positivisme et empirisme, c'est que montrant l'étroitesse du lien entre la connaissance du monde, la connaissance de la réalité et l'observation et l'expérience, l'espoir qu'on peut mettre dans le programme qui consiste à démontrer que les théories scientifiques reposent fondamentalement sur l'expérience et qu'on pourra éliminer, c'est vraiment un terme qui revient souvent dans la littérature positiviste, éliminer, disons, la métaphysique, c'est-à-dire l'abstraction qui s'éloigne de manière systématique, disons, de l'observation et de l'expérience.
Et certainement qu'il y a dans le programme positiviste, dès l'œuvre d'Auguste Comte et dans les écrits de Ernst Mach et dans l'impulsion des philosophes du cercle de Vienne, il y a l'espoir d'éliminer la métaphysique. Il y a l'espoir qu'une analyse logique convenable des théories scientifiques qui parviennent à découvrir en quelque sorte un critère de démarcation entre les théories scientifiques et les théories non scientifiques permettra de mettre une fin à l'abstraction métaphysique. Et il ne faut pas oublier que ces philosophes donc, qui se réunissent à Vienne ou à Berlin dans la fin des années 20, disons, sont entourés d'une culture qui est l'idéalisme allemand, qui est incarné bon, notamment par l'œuvre de Hegel, par les romantiques allemands, et puis qui donne naissance à l'époque même, disons, à la fin des années 20, à une sorte de dérivé de la phénoménologie qui a... Alors, il faut dire un petit mot peut-être de cette tradition philosophique, notamment autrichienne, mais qui rayonne pas seulement en Autriche, mais dans toute l'Europe centrale et aussi en Allemagne. Le grand penseur, philosophe, psychologue Brentano, qui a publié son livre fondamental, si je me souviens bien, en 1874 à peu près, qui s'appelle « La psychologie d'un point de vue empirique » et qui, lui, veut véritablement essayer d'édifier une psychologie sur une base scientifique. Les travaux de Brentano et les idées de Brentano sur la nature de la psychologie ont à la fois donné naissance à ce courant qui s'est appelé la phénoménologie, et notamment dans l'œuvre de Edmond Husserl, dans les années 1910-1920, mais en particulier au milieu des années 20 et dans les années 30, il y a l'œuvre du philosophe Heidegger qui devient véritablement le paradigme de ce qu'est la philosophie allemande de l'époque. Et c'est certainement en grande partie en réaction à l'évolution très idéaliste de la philosophie allemande, notamment dans l'œuvre de Heidegger, que les philosophes du cercle de Vienne épousent notamment le terme, reprennent à leur compte le terme de positivisme logique. Ils veulent véritablement édifier une philosophie des sciences de type empiriste, pour définir, caractériser ce qu'est la science, ce que sont les théories scientifiques, en réagissant, disons, au développement de la philosophie de Heidegger. Alors, qu'on parle de l'empirisme logique ou qu'on parle du positivisme logique, il y a aussi le mot logique qui est très important, et il est là, notamment, ce terme logique est là précisément parce que ces philosophes considèrent que la nouvelle logique, fondamentalement celle qui a été créée par Frege et Russell, et je vais en dire un tout petit mot, le programme de Frege et de Russell, donne les moyens, en quelque sorte, de dissiper toutes sortes de confusions métaphysiques et permet de faire une analyse logique des théories scientifiques, de la nature des théories scientifiques. Alors, en un mot, ce qui a intéressé les logiciens philosophes Frege d'abord et Russell ensuite, donc, c'était qu'ils voulaient créer un langage logique, une logique, disons, capable d'exprimer l'ensemble des vérités de l'arithmétique. C'est ce qu'on appelle le logicisme. Le programme logiciste, le logicisme, ce terme un peu barbare, logicisme, c'est le nom du programme de Frege, repris par Russell. Donc Frege a fait son œuvre, son œuvre importante, disons, la Begriffsschrift, qui est son premier grand ouvrage, qui est la première tentative pour précisément exprimer le logicisme, pour réaliser ce programme logiciste de, au fond, réduction des vérités de l'arithmétique aux vérités logiques, doit dater de 1800, je ne sais plus si c'est 80 ou quelque chose comme ça, à peu près. Et puis les principes de l'arithmétique viennent quelques années après.
Bertrand Russell, à partir de 1905, il a écrit les Principles of Mathematics en 1903, puis des ouvrages. En 1913, il va publier avec le logicien Whitehead le livre qui va être considéré un peu comme la Bible de la logique nouvelle, les Principia Mathematica. Donc il s'agit pouvoir trouver un formalisme ou, disons, une notation logique nouvelle qui permette d'exprimer l'ensemble des vérités de l'arithmétique. Et l'idée du logicisme est relativement simple. Étant donné que le mathématicien Peano, le mathématicien italien Peano, avait montré qu'on peut axiomatiser l'arithmétique, c'est-à-dire qu'on peut représenter l'ensemble de l'arithmétique à partir d'un ensemble d'axiomes finis dont on peut dériver tous les théorèmes. Donc il a montré comment, disons, l'arithmétique des nombres entiers naturels peut tout entière se réduire à un ensemble, il y a un ensemble infini de théorèmes, mais qui peuvent être tous démontrés à partir d'un ensemble fini d'axiomes. Donc à partir de ce travail de Peano qui remonte à la fin du XIXe siècle, les logicistes comme Frege puis comme Russell se donnent pour but trouver une notation logique qui permette d'exprimer l'ensemble de ces axiomes de l'arithmétique tels qu'ils avaient été formulés par Peano, et à partir de règles purement logiques de déduction, d'arriver à déduire les théorèmes de l'arithmétique des axiomes représentés sous forme de vérité logique. Alors la grande contribution logique, la grande contribution, disons, mathématique de Frege et de Russell, c'est la découverte ou l'invention, selon qu'on a une sensibilité plutôt platonicienne, on dira que c'est la découverte de quelque chose qui préexiste à l'esprit, et si on est plutôt constructiviste, on dira que c'est plutôt l'invention, disons la construction par le mathématicien. Donc ça c'est une question d'interprétation, disons, philosophique. En tout cas, c'est la découverte ou l'invention de ce qu'on appelle la quantification. Alors, qu'est-ce que c'est que la quantification ? Bien, vous savez, en logique, quand on enseigne la logique élémentaire aujourd'hui, enfin, disons, depuis Boole d'une part, et d'autre part depuis Frege et Russell, on distingue ce qu'on appelle le calcul propositionnel et ce qu'on appelle le calcul des prédicats. Alors, le calcul propositionnel, eh bien, c'est simplement qu'on considère les propositions comme des atomes non analysés et qu'on représente. Quand on apprend la logique, quand on est étudiant, disons, on représente ces propositions sous forme de lettres, comme P, Q, etc. Et le calcul des propositions, c'est le calcul de la valeur de vérité de propositions complexes formées par les connecteurs propositionnels, ce qu'on appelle les connecteurs propositionnels comme et, ou, si, alors, qui permettent de former des propositions complexes à partir de propositions atomiques, de plus en plus complexes. Donc et on peut, dans le calcul propositionnel, déterminer d'une manière purement mécanique la valeur de vérité d'une proposition très complexe formée par ces atomes propositionnels unis par ces connecteurs propositionnels en fonction, à partir de la valeur de vérité des atomes, à partir de la valeur de vérité des constituants. Donc vous connaissez ces tables de vérité où, à partir de la valeur de vérité de P, si P est vrai, alors non P est faux. Si P est faux, alors non P est vrai, etc., etc. On peut donner la table de vérité de si P alors Q, de P ou Q, de P et Q, et de toutes les propositions très complexes, etc. Donc ça, c'est le calcul propositionnel. Alors, ce qu'on appelle le calcul des prédicats, et ça, c'est l'invention, en quelque sorte, ou la découverte de Frege et Russell, c'est la représentation de quelque chose qui est fondamental pour les mathématiques, qui est fondamental pour exprimer l'arithmétique, pour pouvoir représenter logiquement l'ensemble des propositions de l'arithmétique, l'ensemble des vérités de l'arithmétique, la quantification, c'est-à-dire essentiellement l'analyse interne des propositions en termes de variables et de quantificateurs. Donc, disons, la découverte que c'est très différent, disons, de dire, je vais prendre les trois exemples qui montrent l'importance de cette analyse logique de la structure interne des propositions pour pouvoir représenter l'arithmétique. C'est très différent de dire, par exemple, Jean danse, qu'on appelle une Jean, et là où Jean est un nom propre, une constante qui désigne un certain individu. Quand on dit Jean danse,
eh bien, on attribue la propriété de danser à un individu. D'accord ? C'est ce qu'on appelle une proposition singulière. Bon, ça, c'est une forme très importante de proposition, les propositions singulières. Et puis, c'est une autre proposition, une autre forme logique de proposition très importante, ce sont les propositions dites existentielles, qu'on appelle les propositions enfin, générales, qui impliquent un quantificateur existentiel lorsqu'on dit « il existe des gens qui dansent », par exemple. Ou « il existe », en mathématiques, c'est évident, si on dit « il existe disons en arithmétique, il existe des nombres premiers », par exemple. Donc l'analyse de ces propositions existentielles avec un quantificateur existentiel qui lie une certaine variable, ça c'est une forme de proposition qui est différente des propositions singulières. Et puis il y a les propositions universelles, comme tous les triangles ont des angles dont la somme vaut 180 degrés, etc. Où là on analyse la structure logique de la proposition à l'aide d'un quantificateur universel. Et avec une variable qui est liée par ce quantificateur universel. Donc la contribution fondamentale de Russell et Frege, ça a été de trouver le moyen, par ce formalisme, par cette notion de quantification, par l'analyse interne de ces propositions différentes qui sont fondamentales dans l'arithmétique, permettre donc d'exprimer les axiomes de Peano dans la forme de la logique du calcul des prédicats, et grâce ensuite à des règles de déduction, montrer qu'on peut, à partir des axiomes ainsi réduits à des vérités logiques, de déduire l'ensemble des théorèmes comme autant de vérités logiques elles-mêmes. Donc, ils ont lancé ce programme, Frege et Russell ont lancé le programme logiciste, et il y avait des programmes différents chez les mathématiciens et les philosophes des mathématiques. Donc, par exemple, le formalisme de Hilbert, à peu près à la même époque, disons, que l'époque où travaillait Russell à Cambridge, en Angleterre, et qui donc était aussi une façon d'essayer de comprendre les raisonnements. Au fond, le but de ces philosophes et de ces logiciens, c'était de comprendre, d'essayer de représenter explicitement les inférences valides en mathématiques, et notamment en arithmétique, par exemple. Alors, le programme logiciste de Frege et Russell a été un pas fondamental. Il faut dire néanmoins que l'espoir de réduire, logiciste, de réduire l'arithmétique à la logique, au sens où l'entendaient Russell et Frege, a rencontré une limite qui a été mise en évidence par les fameux théorèmes d'incomplétude de Gödel, au début des années 30. Mais ça c'est une histoire qui ne nous intéresse pas directement. C'est un problème fondamental pour la logique, parce que c'est d'une certaine manière la découverte qu'il y a une limitation à la possibilité de réduire l'arithmétique à la logique, puisqu'il existe en fait des propositions, d'après ces théorèmes d'incomplétude, des propositions de l'arithmétique qui sont vraies, mais qui ne sont pas démontrables à l'intérieur de l'arithmétique. Donc ça veut dire qu'il existe des propositions qu'on ne peut pas réduire, en quelque sorte, comme le voulait Frege et Russell, à la logique. Mais, néanmoins, les contributions éminentes et fondamentales de Frege et Russell à l'analyse logique des mathématiques a été très importante pour l'empirisme logique et pour le programme de l'empirisme logique. Alors, elle l'a été, au fond, de deux manières. D'une part, donc, des penseurs comme Carnap, et en particulier là, on pourrait peut-être, il va falloir mentionner un tout petit peu l'apport de Wittgenstein au développement des idées du cercle de Vienne. Donc, Carnap a repris à son compte essentiellement les idées philosophiques que développait Russell et qu'a repris ou qu'a influencé Wittgenstein, disons, sur la nature fondamentale de l'arithmétique, des mathématiques, telles qu'elles pouvaient se dégager du programme logiciste avant les découvertes des limitations de Gödel dans les années 30. Ça, c'est important, c'est-à-dire que dans le programme de l'empirisme logique,
disons que une conséquence fondamentale du logicisme, c'est une certaine conception de ce que sont les mathématiques, de ce que sont les connaissances de la logique et des mathématiques, la nature fondamentale des propositions logiques, des vérités logiques et mathématiques. Alors là, l'autre, évidemment, j'y reviendrai, c'est qu'une fois qu'on croit avoir compris la nature fondamentale de la logique et des mathématiques, on peut se tourner vers la caractérisation de ce qui est propre aux théories des sciences empiriques, des sciences qui nous permettent de connaître la nature de la réalité. Et donc j'aborde d'abord, disons, l'impact du logicisme des travaux de Frege-Russell sur la conception de la logique et des mathématiques pour les philosophes du cercle de Vienne, et notamment Carnap, qui est certainement le philosophe qui a, disons, développé la philosophie des mathématiques du cercle de Vienne, la plus systématique, la plus exhaustive, etc. Alors, il y a, sur le plan historique, il est important de dire que donc les philosophes et les logiciens et les savants et les scientifiques qui se réunissaient, notamment à Vienne, et je parle à Vienne en particulier, ont été très influencés par l'apparition d'un petit ouvrage assez hermétique et mystérieux, qui était un ouvrage de Wittgenstein, qui était lui-même un Viennois. Et donc là, il faut dire un tout petit mot peut-être de Wittgenstein, de la figure de Wittgenstein et du rôle de Wittgenstein dans cette histoire de la formation des idées du cercle de Vienne et dans la transition entre Russell et Frege, d'une certaine manière, et les membres du cercle de Vienne et Carnap en particulier. Alors, Wittgenstein est un personnage tout à fait saisissant et je recommande à tous les gens qui voudraient avoir une idée, une image du rôle de Wittgenstein, la lecture du livre de Ray Monk, M-O-N-K, qui est paru en français et qui s'appelle, je crois, Wittgenstein et ou, je ne sais plus, Les devoirs d'un génie. Et en anglais, le livre s'appelle, je crois, Wittgenstein and or the duty of a genius, qui est paru, je crois, vers les années 1992 ou 13. C'est un livre magnifique qui était à la fois une biographie de la vie de Wittgenstein et une présentation mélangée de la vie et de l'œuvre et des idées philosophiques de Wittgenstein. Alors Wittgenstein était un jeune étudiant, je parle maintenant dans les années 1910-1911, qui étudiait, qui voulait devenir ingénieur, qui était d'une famille extrêmement riche, viennoise, juive, convertie, et qui a découvert tout d'un coup que, alors qu'il se destinait à devenir ingénieur, a découvert que fondamentalement, ce qui l'intéressait, c'était la compréhension des fondements de la logique et des mathématiques. Ça, c'est vers 1911 à peu près, 1910-1911. Donc il est allé voir, il étudiait peut-être à Manchester, en Angleterre, qu'est-ce qui a motivé son intérêt soudain pour les fondements de la logique et des mathématiques, mais il a pris connaissance de l'existence de Gottlob Frege. Frege, donc, était un professeur assez méconnu à l'époque, génial, mais peu connu de son temps, qui était professeur à Iéna, en Allemagne. Et Wittgenstein, vers 1910 ou 1911 à peu près, est allé rendre visite à Frege en lui disant « Voilà, je m'intéresse à vos travaux, je m'intéresse à la nature de la logique, aux relations entre la logique et l'arithmétique, et je veux étudier ce sujet. » Et Frege lui a dit eh bien, si c'est ça qui vous intéresse, il faut aller à Cambridge étudier avec Bertrand Russell. Il faut dire que, petite anecdote, disons, vers quelques années précédemment, Frege avait publié son ouvrage fondamental qui s'appelle Grundgesetz der Arithmétique, qui était, disons, l'état final de son système logiciste. Et que quelques jours ou semaines ou mois après la publication des Grundgesetz, il avait reçu une lettre absolument dévastatrice de Bertrand Russell qui signalait qu'il y avait dans les Grundgesetz un paradoxe, et qui est le fameux paradoxe de l'ensemble de tous les ensembles. Disons que la manière dont Frege avait formulé la relation d'appartenance entre un élément, un membre d'un ensemble et l'ensemble auquel il appartient, s'exposait en quelque sorte à l'objection que lui faisait Russell,
Et l'objection que lui faisait Russell, c'est il n'y a rien dans le système de Frege qui nous empêche de considérer l'ensemble de tous les ensembles. Et on peut se demander, la question que le paradoxe découvert par Russell, c'est que quand on considère l'ensemble de tous les ensembles, la question qui se pose, c'est une question possible sur cet ensemble, c'est est-il ou pas membre de lui-même? Est-ce que cet ensemble de tous les ensembles est un membre de lui-même? Et Russell avait découvert que les réponses qu'on peut, toutes les réponses qu'on peut apporter à la question de savoir si l'ensemble de tous les ensembles est un membre de lui-même débouche sur un paradoxe. Et il avait informé, donc, vers 1906 ou 1907, Russell avait informé par lettre Frege de l'existence de ce paradoxe comme une conséquence dérivable de son système, des Grundgesetze, ce qui avait été pour Frege une information absolument alarmante. Et Frege était très âgé, et au fond, Frege mourra quelques années plus tard. Alors, Russell formulera un certain nombre de manières pour éviter, il y aura une solution en disant à ce paradoxe, qui est la théorie des types, mais Frege lui-même aura été en quelque sorte dévasté par cette information qui lui venait de Russell. Et Russell d'ailleurs a écrit dans sa biographie à quel point il avait une admiration pour l'abnégation intellectuelle et le goût de la vérité de Frege. En tout cas, quand Wittgenstein a rendu visite à Frege à Iéna, Frege lui a dit il faut aller étudier chez Russell, qui est vraiment le logicien, disons, aujourd'hui le plus compétent pour étudier la logique, le fondement des mathématiques. Et donc, Wittgenstein débarque à Cambridge en 1911 ou 1912, j'ai oublié, donc peu de temps avant la Première Guerre mondiale, et il devient en quelque sorte, si on peut dire, étudiant de Russell. Alors je veux dire deux mots sur la relation entre Wittgenstein et Russell, parce que c'est vraiment, je ne peux pas en parler trop ni bien, mais je peux en dire deux mots parce que c'est vraiment tout à fait extraordinaire, ce que j'en sais principalement, je le tire de ma lecture et de la biographie de Wittgenstein par Raymond, et d'une énorme biographie du même Raymond consacrée à Russell, et il parle, disons, de cette relation. Donc, en 1911-1912, Wittgenstein débarque à Cambridge, il ne sait pratiquement rien de la logique, donc il va tout découvrir avec Russell, et il est obsédé, Wittgenstein, manifestement, par la question de savoir si, on peut dire la chose, disons, d'une manière, de la manière non pathologique, de dire si, disons, son travail, s'il a des capacités pour devenir un logicien et un philosophe de la logique méritant, ou si on est moins charitable, s'il est un génie. Enfin, il se pose vraiment la question de savoir s'il est un génie ou si véritablement sa contribution sera fondamentale. Et très rapidement, au bout de quelques mois, il convainc Russell qu'il a des dispositions exceptionnelles pour, comme logicien et comme philosophe. Et leur interaction est à la fois spectaculaire, certainement très fructueuse, mais Russell en ressort très ébranlé. Il faut voir que Russell, qui est donc au sommet de sa puissance, enfin disons de ses moyens intellectuels, il a une quarantaine d'années, il va publier, il est sur le point de publier, il a donc travaillé depuis 10 ans ou 15 ans, 10 ans, au logicisme, il a découvert le paradoxe qui affectait le système de Frege, il a trouvé une solution à ce paradoxe qui est la théorie des types, il est en train de rédiger un ouvrage de deux volumes énormes avec Whitehead, il est le logicien le plus important probablement de cette époque, et arrive un étudiant qui était formé à être ingénieur et qui est une sorte de tornade intellectuelle, et en quelque sorte cette espèce de rencontre entre cet extraordinaire logicien philosophe Russell au sommet de sa puissance intellectuelle à Cambridge, qui est en plus un lord anglais, très intéressante, qui part, selon tous les témoignages, est resté toute sa vie prodigieusement intelligent, brillant, profond, etc. Néanmoins, lorsque donc il rencontre ce jeune Wittgenstein qui a au moins 15 ans de moins que lui, plus de 15 ans de moins que lui, la rencontre est absolument explosive. Ils sont à certains égards, donc ils ont une sorte de
ils ont des points communs sur le plan intellectuel et en même temps d'énormes différences sur le plan des émotions, sur le plan, je dirais même sur le plan philosophique, enfin sur le plan de leur sensibilité philosophique. En tout cas, bon, je ne peux pas raconter, enfin, il y a toutes sortes d'anecdotes extraordinaires. Il est important, donc, Russell acquiert la conviction au bout de très peu de mois que Wittgenstein est absolument extraordinairement doué. Et au fond, ceci est à la fois positif et négatif dans la mesure où des discussions extrêmement serrées entre Wittgenstein et Russell finissent par convaincre, enfin, je crois, on peut penser qu'ils finissent par, que ces conversations finissent par convaincre Russell que lui, Russell, n'a presque plus rien à dire et que c'est Wittgenstein qui va devenir, qui est vraiment le philosophe le plus intéressant. Et au fond, vous savez qu'à partir de 1914, disons, bon, il va y avoir la Première Guerre mondiale, Russell va devenir un pacifiste convaincu, il va d'ailleurs faire de la prison pour pacifisme en Angleterre, mais au fond, pendant environ 25 ans, à partir de 1914 jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, pratiquement, Russell n'écrit plus de philosophie, disons, sérieuse. Il devient un journaliste, un commentateur, il fait des comptes rendus d'ouvrages de philosophie, mais disons que les ouvrages de philosophie majeurs de Russell vont de 1895 à peu près jusqu'à 1914-15. Et puis ensuite, il y a un énorme espace de temps. Il est mort très tard, hein, Russell. Il est mort en 1971, donc il est mort à 80, je sais pas, 12 ou 13 ans. Et on ne retrouve des travaux de philosophie scientifique, de philosophie technique en quelque sorte, que pendant la Deuxième Guerre mondiale et après la Deuxième Guerre mondiale, et puis ensuite il est trop vieux. Mais outre la Première Guerre mondiale qui a complètement mobilisé l'attention de Russell, qui était aussi un homme très passionné de la politique, il faut bien le dire, la rencontre avec Wittgenstein a eu un effet assez négatif sur l'évolution de la pensée philosophique de Russell, au sens que elle a contribué à une auto-dépréciation de Russell par lui-même. Et Wittgenstein était manifestement quelqu'un de très emporté, de très violent, d'extrêmement brillant, et donc dans l'interaction, cette interaction était très complexe. En tout cas, donc Wittgenstein a commencé à prendre au sérieux les questions de fondement de la logique, de rapport entre la logique et les mathématiques, et de fondement des mathématiques et de la logique dans sa rencontre avec Russell. Il a, au fond, au bout de quelques mois, je dirais au bout de 6 mois ou 8 mois, eu une sorte de répulsion à l'égard de l'atmosphère qui régnait à Cambridge, du Bloomsbury, groupe qui se réunissait autour de Russell, de George Moore, et de Keynes, de Virginia Woolf, etc. Il a eu une sorte de rejet, il était un peu irrité par l'atmosphère britannique, anglaise, qui régnait là. Donc en fait, au bout de quelques mois, il a décidé de s'éloigner physiquement, il est allé vivre seul dans une hutte en Norvège, cet épisode est bien connu, et là il s'est mis à continuer à travailler seul sur les questions, disons, du logicisme, du fondement des mathématiques et de la logique, etc. Au cours de la Première Guerre mondiale, alors que Russell, l'ordre anglais, est devenu un militant pacifiste qui a fait de la prison pour pacifisme. Au contraire, Wittgenstein est devenu soldat autrichien sur le front autrichien. Il a d'ailleurs manifestement cherché à tester ses forces, son courage, recherchant un peu, disons, une sorte d'héroïsme, de conduite héroïque au cours de la guerre. Il a été blessé, il a été fait prisonnier. Et au cours de sa captivité, il a terminé un ouvrage qui était le fruit de ses réflexions, disons, depuis sa rencontre avec Russell sur la logique et les mathématiques, qui s'appelle le Tractatus Logico-Philosophicus, qui a été publié, donc écrit en fait au cours de la guerre, enfin rédigé, dont la rédaction a commencé un peu avant, et puis rédigé au cours de cette captivité, qui est paru en 1921. En fait, Russell savait que Wittgenstein travaillait à cet ouvrage fondamental, et il est allé renouer le contact avec Wittgenstein après la Première Guerre mondiale pour récupérer le manuscrit. Et c'est lui, en fait, qui a fait paraître, c'est pas Wittgenstein lui-même, c'est Russell qui a entrepris les démarches pour la publication de l'ouvrage de Wittgenstein, qu'il considérait comme un ouvrage absolument fondamental.
C'est intéressant que dès la publication du livre en 1921, effectué à l'initiative de Russell et que Wittgenstein a laissé faire, mais en ne s'intéressant pas, en n'étant pas lui-même activement impliqué dans le processus de publication, l'ouvrage est paru dans une collection ou dans une revue même, comme un volume séparé, dans une collection dirigée par le grand chimiste Oswald, chimiste autrichien. Il est paru avec une préface de Russell exposant, l'essentiel du contenu de l'ouvrage de Wittgenstein, et Wittgenstein a réprouvé complètement l'analyse que Russell faisait, en grande partie l'analyse que Russell lui-même faisait de son ouvrage. Donc, dès la parution de l'ouvrage, il y avait un malentendu, une incompréhension ou une insatisfaction et un désaccord, réciproque, entre Russell et Wittgenstein. Et à partir de cette époque, les rapports entre Wittgenstein et Russell se sont énormément détériorés. Les propos que tenait Wittgenstein, considérait que Russell n'était plus un philosophe sérieux après la Première Guerre mondiale, mais c'est en partie justifié parce que les œuvres de Russell sont des œuvres essentiellement de circonstances, même si elles sont très intéressantes à mon avis, mais elles n'ont plus cette profondeur philosophique des ouvrages et des articles et des ouvrages, entre la fin du 19e siècle et 1914. On retrouve des ouvrages, des choses plus importantes dans les années 40, notamment au cours de la Deuxième Guerre mondiale et un peu après, mais pendant une période qui va du début de la guerre jusqu'au début de la Deuxième Guerre mondiale, il y a toute une période où Russell n'écrit plus de philosophie systématique. Et d'autre part, mais ça on va en parler deux minutes, d'autre part, le jugement que Russell portera sur l'œuvre philosophique de Wittgenstein et l'évolution des idées philosophiques de Wittgenstein au cours, de la carrière de Wittgenstein, dont je veux dire un mot, a été de plus en plus sévère aussi. En tout cas, le premier ouvrage fondamental de Wittgenstein et le seul ouvrage de Wittgenstein paru pendant la vie de Wittgenstein, puisque l'œuvre de Wittgenstein d'aujourd'hui est extrêmement abondante, mais elle est posthume, tout est paru depuis la mort de Wittgenstein en 1953. Donc le Tractatus Logico-Philosophicus est une interprétation du logicisme de Frege et Russell, une manière essentiellement de analyser la nature de la logique et des mathématiques, la nature des propositions logiques et mathématiques, la nature des connaissances logiques et mathématiques, et la nature de la philosophie et la nature de la science. Et cet ouvrage qui paraît en 1921 est lu attentivement, très attentivement, par les membres du Cercle de Vienne, notamment par Carnap, par Neurath, par Schlick, et en particulier Schlick. Schlick et Weismann, qui est à l'époque, Schlick était professeur à l'Université de Vienne. Schlick était un philosophe très important, très éminent, qui avait une position donc à l'Université de Vienne. Weismann était un étudiant avancé. Incidemment, d'ailleurs, Schlick a été assassiné en 1936, je ne sais plus si c'est pour des raisons d'ordre politique ou d'ordre purement affectif, émotionnel. Il a été assassiné. En tout cas, ces gens lisaient avec attention cet ouvrage de Wittgenstein qu'ils considéraient comme étant véritablement une interprétation très profonde de la nature de la logique et des mathématiques, de la nature de la philosophie, de la nature de la science, des sciences empiriques. Et il se trouve qu'après la guerre, Wittgenstein a mené une vie complexe. Il a été instituteur dans les montagnes autrichiennes. Ça s'est très mal passé d'ailleurs. Il a été un très mauvais instituteur et ses rapports avec les étudiants et le monde paysan dans lequel il vivait se sont beaucoup, beaucoup détériorés. Et donc il est revenu d'abord vivre à Vienne, à Vienne dans les années 25, à peu près 26, jusqu'à ce qu'il... mais sans faire vraiment de philosophie professionnelle, en quelque sorte. Néanmoins, lorsqu'il était à Vienne, à l'époque, en 25-26, lorsque se réunissait le Cercle de Vienne, les membres du Cercle de Vienne ont pris contact régulièrement, avaient un contact personnel régulier avec Wittgenstein, le rencontrait pour parler avec lui du Tractatus Logico-Philosophicus, ce à quoi s'est prêté Wittgenstein plusieurs fois, notamment parce que Schlick et Weismann, son étudiant, avaient un contact très, très bon avec Wittgenstein, qui était une personnalité ombrageuse, une personnalité très forte. Mais rapidement, Wittgenstein s'est éloigné du Cercle de Vienne, et alors que, au fond, les membres du Cercle de Vienne ont attaché une importance fondamentale à cet ouvrage, je crois que Wittgenstein désapprouvait, de même qu'il a désapprouvé l'interprétation que Russell a donnée de ses idées,
Il désapprouvait totalement le programme, les bases du programme de l'empirisme logique, lui, Wittgenstein. Il a contribué énormément au développement des idées du cercle de Vienne par la publication du Tractatus Logico-Philosophicus, mais il a toujours considéré que l'interprétation qu'en faisaient les empiristes logiques ou les positivistes logiques n'était pas la bonne interprétation, n'était pas celle que lui souhaitait. Au fond, pour lui, il y avait un malentendu fondamental entre ses idées à lui et en particulier l'usage qu'en faisait quelqu'un comme Carnap. Donc entre Carnap et Wittgenstein, il n'y a aucune espèce d'harmonie, de la même manière qu'il n'y a pas d'harmonie entre Russell et Wittgenstein. Et en particulier, au fond, à la différence de quelqu'un comme Carnap, Wittgenstein n'avait pas une sorte de passion pour la science. C'est-à-dire que l'idée fondamentale de l'empirisme logique et du positivisme logique, qui est de faire une analyse détaillée de la nature des théories scientifiques afin de trouver un critère de démarcation entre les sciences et notamment la métaphysique et tout ce qui n'est pas scientifique afin de se débarrasser de ce qui n'est pas la science, ce programme-là ne plaît pas à Wittgenstein. Wittgenstein était un philosophe rigoureux, mais son but, au fond, n'était pas d'élaborer une philosophie des sciences. Son but était, disons, plutôt de chercher les limites de ce qu'on peut dire de manière sensée, mais il n'avait pas le culte de la démarche scientifique, ça ne l'intéressait pas. Il recherchait la clarté, il recherchait la rigueur dans tous les domaines, mais son but n'était pas de mettre la science au-dessus de toutes les activités, disons, de la pensée humaine. Alors que, certainement, pour l'empirisme logique, la science représentait en tant que telle une valeur fondamentale. Alors j'en viens quand même maintenant, après cette petite digression sur Wittgenstein, qui est un personnage tout à fait exceptionnel, à la philosophie de la logique et des mathématiques issue du Tractatus, de l'œuvre de Wittgenstein, et qui a eu une telle influence sur la philosophie de la logique et des mathématiques du cercle de Vienne et surtout de Carnap. Alors, ce que Carnap a essentiellement trouvé dans l'interprétation wittgensteinienne du logicisme de Frege et Russell, disons, c'est l'idée que les vérités de la logique et des mathématiques, et en particulier les vérités des mathématiques une fois qu'elles sont réduites, ou les vérités de l'arithmétique réduites aux vérités de la logique, ça c'est le programme du logicisme compte non tenu, disons, des découvertes de Gödel dans les années plus tardives, n'est-ce pas, dans les années 30, ce qu'a retenu Carnap de l'interprétation par Wittgenstein de ce logicisme, c'est l'idée que les vérités, une fois que les vérités de l'arithmétique sont réduites aux vérités de la logique, puisque les vérités logiques sont des vérités par convention, sont vraies par convention, sont des systèmes de convention, comme le dit souvent Wittgenstein, c'est une expression qu'il emploie beaucoup, des tautologies, l'essence même, disons, du principe de non-contradiction ou du principe du tiers exclu, de ce genre de loi logique auquel le logicisme essaye de réduire, de ramener les vérités de l'arithmétique, leur essence est d'être des tautologies, c'est-à-dire des vérités, en quelque sorte, qui spécifient la signification du vocabulaire logique et du vocabulaire arithmétique. C'est-à-dire que quand on accepte une loi logique, et par extension les principes de l'arithmétique, les vérités de l'arithmétique auxquelles, si le logicisme est vrai, les vérités arithmétiques se réduisent aux vérités logiques, donc l'essence de ces vérités, fondamentalement, c'est de définir la signification des termes fondamentaux de l'arithmétique ou des termes fondamentaux de la logique. Donc ce sont des termes, ce sont des vérités qui nous informent sur la signification des termes logiques ou des termes arithmétiques fondamentaux. Donc en ce sens, elles sont conventionnelles, c'est-à-dire que nous décidons par convention que par vérité nous voulons dire ceci, par implication nous voulons dire cela, etc. Ou par négation nous voulons dire... Bon, et que l'ensemble de ces lois logiques nous fixe la signification du vocabulaire logique, des concepts et du vocabulaire logique, et des mots exprimant les concepts logiques. Alors, ce qui est fondamental pour comprendre, je crois, le programme de l'empirisme logique à partir de cela, c'est que ces vérités logiques et mathématiques, si elles nous informent sur la signification du vocabulaire logique et mathématique, ne nous disent strictement rien sur le monde.
dire que les vérités logiques sont des tautologies, disons, c'est pour les membres du cercle de Vienne dire qu'elles ne nous disent absolument rien de la réalité elle-même. Donc nous avons l'ensemble des vérités de la logique et des mathématiques qui fixent la signification du vocabulaire logique et mathématique dont nous avons besoin. Nous avons besoin pour faire de la logique et des mathématiques, pour faire les raisonnements logiques et mathématiques. Mais dans la mesure où la physique, par exemple, qui est une science d'observation, qui est une science empirique, qui est une science qui vise à découvrir les propriétés fondamentales du monde qui nous environne et qui dépendent évidemment de l'observation. Mais dans la mesure où, où la physique a besoin des mathématiques, elle a besoin de modèles mathématiques, elle a besoin du vocabulaire, des concepts des mathématiques pour développer des théories physiques profondes qui donnent lieu à des prédictions qui peuvent être ensuite vérifiées ou réfutées par l'observation, disons, d'accord ? Eh bien, néanmoins, la partie logico-mathématique dans ces théories peut être séparée, peut être dissociée, disons, de ce que les philosophes du cercle de Vienne, des antinomistes logiques, vont appeler le vocabulaire descriptif. La partie des mots, la partie des concepts d'une théorie qui est destinée à représenter, décrire la réalité. Décrire la réalité physique, décrire la réalité chimique, décrire la réalité biologique, décrire peut-être la réalité psychologique, mais disons que les mots, les concepts qui nous servent à décrire les atomes, à décrire les quarks, à décrire les cellules, à décrire les molécules, à décrire le comportement des êtres humains, à décrire les galaxies, ces mots ont une signification, comme disent les membres du cercle de Vienne, descriptive. N'est-ce pas ? Ils ont leur rôle est de permettre de représenter des choses, des propriétés, des événements, des processus, des phénomènes qui ont lieu dans le monde, mais pas le vocabulaire logique et mathématique. Donc il y a une grande dualité et entre les termes qui interviennent dans les vérités logiques et mathématiques, dans les propositions logiques et mathématiques, ces propositions étant tautologiques, elles ne nous renseignent pas sur le monde. Et puis il y a les termes qui sont employés dans les sciences d'observation, dans les sciences empiriques, qui sont destinés à représenter et décrire la réalité sous ses aspects différents, les aspects de la physique, de la chimie, etc., et qui ont une signification descriptive. Et donc, la première, c'est une conception fondamentale pour l'empirisme ou le positivisme logique, que les vérités tautologiques de la logique et des mathématiques ne servent pas à décrire la réalité. Par contre, il y a des termes qui servent à décrire la réalité. Alors, la deuxième idée fondamentale, c'est l'analyse du vocabulaire descriptif. C'est la manière dont on peut comprendre les mots, le sens des mots, la nature des concepts utilisés par les sciences qui ont pour but de décrire la réalité à différents niveaux, la réalité physique, la réalité chimique. Quand je dis la réalité physique, il faut bien sûr distinguer la physique des solides, la physique, etc. Mais donc la deuxième idée fondamentale, une fois qu'on a fait la séparation entre logique mathématique d'un côté et les sciences empiriques de l'autre, c'est qu'à l'intérieur du vocabulaire scientifique, donc du vocabulaire descriptif, il y a des termes et des concepts qui ont un lien direct aux observations, d'accord, et d'autres qui ont un lien non direct, indirect aux observations. Il y a des termes qui peuvent désigner des choses directement observables, disons, quand on dit directement observable, ce sont des choses qui peuvent être observées, disons, même sans le secours d'un instrument scientifique, disons, d'un télescope, d'un microscope, donc des choses qui sont directement observables. Il y a des termes qui décrivent des entités directement observables ou des propriétés observables d'entités observables, et des choses qui ne désignent pas des entités observables ou des propriétés observables des entités observables. Et évidemment, la nature, la science, ça consiste à pouvoir prédire et décrire le comportement observable des choses, mais souvent on est obligé de passer par l'intermédiaire, par la médiation de termes qui eux-mêmes ne sont pas directement, font pas directement référence à des entités observables, à des propriétés observables de ces choses observables. Bon. Et donc, lorsque les philosophes de ce mouvement s'interrogent sur le caractère fondamental
de ce qui fait qu'une théorie abstraite, une théorie qui comporte des termes et des concepts qui ne font pas directement référence à des entités ou des propriétés ou des processus observables, néanmoins a un caractère scientifique, à la différence, disons, d'une théorie purement métaphysique qui, elle aussi, semble ne pas avoir de lien immédiat avec la réalité observable, n'est-ce pas ? Alors, ce qui va être caractéristique des théories scientifiques, de l'usage scientifique de termes abstraits, de concepts abstraits qu'on ne peut pas directement mettre en relation avec des observations, qu'on ne peut mettre en relation avec des observations que de manière indirecte, ce qui est caractéristique d'une théorie scientifique, c'est qu'elle se prête à des observations indirectes, qu'elle est, disons, vérifiable. Donc, l'idée fondamentale que vont, sur laquelle vont se pencher les partisans de l'empirisme logique, ceux qui travaillent dans ce programme, c'est la recherche de ce qu'ils ont appelé, sur laquelle on a beaucoup écrit, la recherche d'un critère vérificationniste de la signification cognitive, essayer au fond de formuler, grâce à la notion de vérifiabilité d'une théorie, ce qui distingue une théorie scientifique d'une théorie non scientifique. Vérifiabilité. Alors, et on appelle donc, on trouve dans la littérature, dans la philosophie, on trouve notamment dans les écrits d'auteurs comme Reichenbach, comme Carnap, et surtout comme Hempel, qui était un peu plus jeune que Carnap, on trouve énormément de travaux sur la notion du critère vérificationniste de la signification cognitive. L'idée, c'est que donc, ce qui est caractéristique d'une théorie, d'une proposition scientifique, c'est qu'elle contient, elle se prête à la vérification. Disons, l'idée fondamentale, c'est que quand vous avez une théorie scientifique, vous pouvez faire des prédictions. Évidemment, la prédiction elle-même, c'est pas la même chose que la théorie. La prédiction, c'est quelque chose qu'on peut déduire de la théorie, mais avec la prédiction, on peut déterminer si la théorie est vérifiée. Alors, sur cette idée, et donc cette notion du critère vérificationniste et de la recherche, disons, de la formulation appropriée, détaillée de ce critère, parce que ça c'est une caractéristique évidemment fondamentale de la démarche de ces philosophes, la précision, essayer de formuler les idées d'une manière aussi précise que possible pour précisément se prêter à la critique, pour qu'on puisse faire des objections détaillées pour arriver à formuler des propositions extrêmement aussi précises que possible. Donc ils ont essayé de formuler un critère de démarcation entre les propositions scientifiques et les propositions non scientifiques fondées sur le critère de la vérification, sur le critère de la vérifiabilité des propositions théoriques des sciences, des lois scientifiques, disons. Alors, à partir des années, la fin des années 20 et début des années 30, il y a eu une controverse importante entre, disons, les partisans d'un critère vérificationniste de la signification cognitive et un philosophe très important qui était, un philosophe qui était proche du cercle de Vienne, mais qui n'était pas véritablement membre du cercle de Vienne, qui était un peu plus jeune et qui s'appelait Popper. Et au fond, l'essentiel des idées, d'ailleurs tout à fait intéressantes et importantes de Popper, se sont forgées dans la critique et la discussion avec Carnap et les autres membres du cercle de Vienne, qu'il a connus à Vienne. Il a d'ailleurs fait paraître son livre classique Logik der Forschung, qui est traduit qui est paru en 1934. Et qui a été traduit en français en 1974 seulement sous le titre « La logique de la découverte scientifique ». Après, disons, rapidement, dans les années 30, la plupart des philosophes dont nous parlons, Popper y compris, vont émigrer devant la montée du nazisme et, disons, de ce qui se prépare en Europe juste avant, disons, l'explosion de la guerre. Tous ces philosophes émigrent dans les pays de langue anglophone, les uns aux États-Unis comme Carnap et Reichenbach, qui deviendront professeurs, l'un à Los Angeles, Reichenbach, l'autre à Chicago pour Carnap,
Popper, lui, émigre d'abord en Nouvelle-Zélande avant de revenir juste après la guerre à Londres, où il va faire une carrière à la London School of Economics. Les idées donc fondamentales que Popper va développer vont être à la fois proches de celles du Cercle de Vienne et en même temps des critiques détaillées, en particulier de l'idée qu'on peut trouver dans la vérifiabilité, dans la vérification d'une théorie, un critère de démarcation entre les sciences, les théories scientifiques et, disons, d'autres théories, les théories métaphysiques. Et l'idée fondamentale de Popper vient d'une réflexion sur le problème de l'induction. Le problème de l'induction est un problème qui a été formulé, disons, classiquement, on le trouve sous des formes variées, mais disons que la formulation la plus classique est celle qu'en a donné David Hume, le grand philosophe anglais, qui a, disons, établi aux yeux de la plupart des philosophes qui l'ont suivi, qu'il y a deux types de raisonnement, deux types d'inférences qu'on peut faire. Il y a des inférences qui sont des inférences qu'on peut appeler des inférences déductives ou démonstratives, celles qui sont conformes aux règles de la logique déductive, et qui sont telles que si les prémices d'une inférence sont vraies, en suivant les règles d'inférence déductive, alors si les prémices sont vraies, la conclusion ne peut pas ne pas être vraie. La conclusion est nécessairement vraie si les prémices sont vraies. De la même manière d'ailleurs que si les prémices sont fausses, la conclusion doit être, ne peut manquer d'être fausse. Ça, ce sont les inférences, disons, démonstratives ou les inférences déductives. Et Hume a montré qu'il existe d'autres formes d'inférences très importantes dans la vie courante et dans la science aussi, dans le raisonnement scientifique aussi, qui sont des inférences qu'on peut appeler des inférences inductives ou des inférences non déductives ou non démonstratives, qui sont telles que, contrairement aux premières, il est faux que la vérité des prémices garantisse la vérité de la conclusion. Donc la question devient de savoir si, ou bien on adopte l'idée que les seules inférences dans lesquelles les prémices justifient la conclusion sont les inférences déductives, ou si on cherche à comprendre un autre type de justification, moins rigoureux, moins étroit, moins contraignant, disons, mais néanmoins, un système de justification néanmoins, entre prémices et conclusions, tel que, non pas, il est faux que les prémices la vérité des prémices garantit la vérité de la conclusion, mais la vérité des prémices confère une certaine probabilité à la vérité des prémices. Si les prémices sont vraies dans une inférence inductive, alors la conclusion a une certaine probabilité d'être vraie. Et disons, pour illustrer une inférence inductive courante, eh bien, on peut prendre, disons que vous prenez, supposons que tous les corbeaux que nous ayons observés soient noirs. Nous n'avons jamais observé d'autres corbeaux que noirs. Donc nous avons la proposition, pour simplifier, tous les corbeaux que nous avons observés sont noirs. Eh bien, une inférence inductive consistera à conclure, à partir de tous les corbeaux que nous avons observés le 12 décembre 2002 sont noirs, à partir de cette prémisse, nous concluons donc tous les corbeaux sont noirs. Quand on dit tous les corbeaux sont noirs, ça veut dire tous les corbeaux observés et non observés. Ou bien, si vous préférez, le prochain corbeau que nous observerons demain ou dans une heure, etc., sera noir. Et cette conclusion est une conclusion qui est tirée à partir des prémices, de la prémisse, tous les corbeaux que nous avons observés sont noirs. Alors, on peut discuter de la question de savoir si, puisque la vérité de la prémisse, tous les corbeaux que nous avons observés sont noirs, ne confère pas ipso facto de la vérité de la prémisse. On ne peut pas conclure sans faille à la vérité de la conclusion « le prochain corbeau que nous observerons sera noir » ou « tous les corbeaux observés et inobservés sont noirs ». La vérité de la prémisse ne garantit pas la vérité de la conclusion. Est-ce qu'on doit conclure de cette constatation faite par Hume que la vérité de la prémisse ne confère aucune plausibilité que, disons, il est aussi rationnel de conclure à partir de la prémisse tous les corbeaux que nous avons observés sont noirs, de conclure le prochain corbeau que nous observerons sera rose. Est-ce que c'est aussi rationnel de conclure
Le prochain corbeau que nous observerons sera rose à partir de la prémisse « tous les corbeaux observés sont noirs » que de conclure « le prochain corbeau que nous observerons sera noir ». Pour ma part, je considère qu'il est beaucoup plus rationnel de conclure de la prémisse « tous les corbeaux que nous avons observés sont noirs » à la conclusion « le prochain corbeau que nous observerons sera noir » que de conclure « le prochain corbeau sera rose ». Néanmoins, il y a matière à discussion. Et au fond, ce qu'a fait Popper, c'est au fond de prendre une position extrêmement radicale sur cette question en disant, eh bien, en fait, ce problème soulevé par Hume se résout de la manière suivante. C'est une erreur, je simplifie un peu la position de Popper, mais je ne suis pas infidèle à sa pensée, je crois, en disant que l'erreur serait de penser qu'il y a véritablement des inférences inductives. Il n'y a pas d'inférences inductives. Le problème de l'induction se résout, dès qu'on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a d'inférence que déductive. Toutes les inférences sont déductives. Il n'y a pas d'inférence inductive. Et en particulier, lorsqu'on raisonne de manière scientifique, on n'utilise jamais, dit Popper, un raisonnement inductif. On se contente de procéder de manière déductive. Alors, qu'est-ce qui se passe en science selon Popper ? Ce qui se passe en science selon Popper, c'est que le scientifique propose une théorie, une hypothèse, aussi hardie, aussi bold en anglais, que possible. Et à partir de cette théorie aussi hardie que possible, on en tire une prédiction. D'accord ? Il se déduit, si je dis « tous les corbeaux sont noirs », alors je peux prédire que si j'observe un corbeau, il sera noir. Et la seule chose que nous pouvons faire à partir de cette prévision, de cette prédiction de la théorie, qui est une conséquence déductive de la théorie, c'est de réfuter la théorie, c'est de trouver un contre-exemple. La seule chose, et ça c'est purement déductif, nous pouvons tirer des prédictions de manière déductive à partir d'une théorie, et puis nous recherchons des contre-exemples à la théorie, nous recherchons des contre-exemples, c'est-à-dire nous essayons le plus possible, le plus que nous pouvons, de trouver des situations, des observations qui contredisent la prédiction, c'est-à-dire une conséquence déductive de la théorie. Et en science, c'est tout ce que nous faisons, dit Popper. Ce que nous faisons, c'est de formuler des théories hautement réfutables, d'où l'importance de cette réfutabilité des théories. Une théorie est donc une théorie est scientifique, dit Popper, si elle est hautement réfutable, donc si on peut déduire une conséquence elle-même observable ou observationnelle de la théorie, d'accord, et chercher à réfuter la théorie en contredisant la prédiction. Mais on ne peut pas, on ne doit pas et on ne procède pas par vérification. On ne cherche pas à confirmer inductivement, à trouver une confirmation inductive de la théorie. On cherche simplement à réfuter la théorie. Ça, c'est la position de Popper. Donc la solution au problème de l'induction, c'est que il n'y a pas d'inférence inductive, ce serait une illusion de croire qu'on raisonne inductivement, on raisonne de manière déductive. Raisonner de manière déductive en science, dit Popper, c'est chercher à réfuter la théorie. La théorie est quelque chose qui est, disons, aussi universelle que possible. De cette proposition universelle, on peut tirer une conséquence particulière qui porte sur un fait observable, et grâce à l'observabilité, on peut éventuellement réfuter la théorie. Et donc, au fond de cette réflexion sur l'induction, Popper a tiré une critique sévère, intéressante, disons, du critère vérificationniste. Et au fond, ce que dit Popper, c'est que Carnap et les partisans de l'empirisme logique font l'erreur de croire que ce qui va distinguer une théorie scientifique d'une théorie non scientifique, c'est qu'elle est vérifiable, étant donné qu'aucune théorie n'est vérifiable, dit Popper. Aucune théorie n'est vérifiable. Une théorie qui porte sur un ensemble infini de cas ne peut pas être exhaustivement vérifiée, parce qu'on ne peut pas, si elle porte sur une infinité de cas, par principe, on ne peut pas parcourir l'ensemble infini des cas, et par conséquent, on ne peut pas vérifier la théorie de manière... On ne peut pas la vérifier. Par contre, si une théorie porte sur un ensemble infini de cas, et qu'on trouve une seule exception, un seul contre-exemple, on l'a réfuté. Donc, et c'est ça, la démarche scientifique dit Popper, c'est ça. C'est de proposer des théories aussi universelles, aussi générales que possible, et d'essayer... autant que possible de les réfuter. Donc l'idée de Popper, c'est que c'est la réfutabilité d'une théorie qui distingue une théorie scientifique d'une théorie non scientifique.
Ce qui est caractéristique, disons, de l'entreprise, de la métaphysique abstraite, etc., c'est qu'elle ne cherche pas à être réfutée. C'est qu'un philosophe, ou bien dans des discours qui n'ont pas une vocation scientifique, eh bien, les chercheurs, les théoriciens, n'essayent pas de réfuter. Ce que dit Popper, c'est que l'essentiel de la démarche scientifique, au fond, ce qui est caractéristique des théories scientifiques, c'est de se prêter d'une manière rigoureuse à la réfutation, à des objections dirimantes qui nous obligent à revenir et à réviser la théorie. Sur le point de cette controverse particulière, sur lequel on a beaucoup écrit, etc., en fait, il serait trop simple de dire que Popper a résolu le problème, à mon avis. Je peux donner vaguement une idée de pourquoi il n'a pas résolu le problème, peut-être en utilisant un tableau, mais peut-être pas. Enfin, peut-être je peux essayer quand même, mais disons, pourquoi est-ce que ça n'est pas, à mon avis, les idées de Popper sont fondamentales, mais elles ne résolvent pas le problème une fois pour toutes, et au fond, je veux dire, dans la discussion, la discussion entre Carnap et Popper, je ne dirais pas que Popper a raison et Carnap a tort. C'est beaucoup plus compliqué que ça, pour la raison suivante. C'est que, au fond, la situation que analyse Popper et sur laquelle il se concentre est la situation suivante. Et je vais écrire quelque chose sur le tableau. Disons, il raisonne sur des propositions de type universel. Du genre, tous les corbeaux sont noirs, je trivialise, parce qu'on se fiche, on n'a pas besoin de prendre un exemple scientifique compliqué, il suffit en fait d'avoir une proposition triviale, mais dont on comprend la forme logique simple. Si on dit tous les corbeaux sont noirs, eh bien, disons, un logicien simple dira que la forme logique de cette proposition, c'est quelque chose comme, pour tout x, si x est un corbeau, que je solde ça, alors x est noir. Ça se représente à peu près sous la forme de ce dessin, de cette formule logique, avec un quantificateur universel, et puis c, c'est une lettre qui dit corbeau, donc c de x veut dire si x, pour tout x, si x est un corbeau, alors x est n, c'est-à-dire x est noir. D'accord ? Et comme le dit Popper, il suffit, disons, d'avoir un x, d'accord, qui est un C de X, mais qui n'est pas et qui n'est pas un noir de X, d'accord, cette proposition existentielle, c'est-à-dire si je découvre l'existence d'un seul objet qui est un corbeau et qui est rose, il n'est pas noir, d'accord, eh bien, il y a un conflit entre cette proposition 2 et la proposition 1. La proposition 2 et la proposition 1 ne peuvent pas être vraies simultanément. L'existence d'un X qui est un corbeau mais qui n'est pas noir réfute la proposition universelle. Mais le problème est effectivement l'asymétrie soulignée par Popper, et l'asymétrie entre le fait qu'une proposition universelle pour tout x, si x est un corbeau, alors x est noir, n'est pas vérifiable par un ensemble fini d'observations, parce qu'elle est censée porter sur, disons, supposons qu'elle porte sur une infinité de corbeaux. Si c'était une loi physique universelle, elle vaudrait pour une infinité de corbeaux. Comme on ne peut pas examiner l'infinité des corbeaux, on ne peut pas vérifier de manière exhaustive cette proposition. En revanche, logiquement, elle est parfaitement réfutable, puisqu'il suffit de trouver un x qui soit C, mais qui ne soit pas n. D'accord ? Mais, comme le lui a fait remarquer Carnap, et comme, je pense, a eu raison de lui faire remarquer Carnap, il existe beaucoup de lois, de principes, qui ont la forme suivante. Disons, il existe un x, pardon, pour tout x, il existe un y, et ensuite, il y a un certain rapport entre les x et les y. Disons que tous les métaux ont une certaine caractéristique. Hein. Par exemple, il existe, pour tout métal, il existe un certain point auquel ce métal fond, des choses comme ça. Donc, les lois, de nombreuses lois fondamentales de la science, ne peuvent pas s'analyser simplement en termes d'un quantificateur universel, mais combinent un quantificateur universel, un quantificateur existentiel, et, disons, établissent des relations complexes entre les choses qui sont quantifiées ici par le quantificateur universel et par le quantificateur existentiel. Or, l'idée de Popper, c'est que ces propositions-là sont réfutables.
pour trouver la, pour, disons, elles sont réfutables parce que trouver un x tel que c de x et non de x, ça implique qu'il est faux, donc non pour tout x, alors si c de x, alors n de x. Donc la question, c'est que pour réfuter une proposition comme celle-ci, pour réfuter une proposition comme celle-ci, il faut vérifier sa négation. Et que la vérification de cette proposition elle-même n'est pas réalisable en parcourant un ensemble fini d'individus. Donc en fait, la conception de Popper ne peut pas rendre compte du caractère scientifique de toutes les propositions scientifiques. Elle ne vaut que pour des cas limités, pour des cas relativement simples, et l'asymétrie entre réfutabilité et vérifiabilité ne vaut pas dans des cas plus compliqués qui impliquent une double quantification, la quantification universelle et la quantification existentielle. Donc, au fond, si on veut résumer la controverse assez acide, assez acerbe entre Carnap et Popper, il y avait une certaine rivalité, surtout dans l'esprit de Popper, entre lui et Carnap, disons qu'ils ont souligné deux aspects fondamentaux des théories dans les sciences empiriques, disons, dans les sciences autres que les mathématiques et la logique. L'un, Carnap, a souligné que la recherche de la probabilité le fait que des données confèrent une haute probabilité à une théorie, le fait qu'on recherche en science, on recherche le maximum de données empiriques qui confèrent une haute probabilité à l'hypothèse, c'est un aspect de la démarche scientifique. Un aspect de la démarche scientifique est d'essayer d'accumuler des données, accumuler des observations, accumuler des preuves qui confèrent à la théorie qu'on a, à la théorie qu'on veut, qu'on épouse, à la théorie qu'on défend, la plus haute probabilité possible. D'accord ? Ça, c'est un aspect de la démarche scientifique, c'est d'accumuler des preuves et des données qui sont compatibles avec la théorie, c'est-à-dire qui sont telles que, si la théorie était vraie, alors on devrait trouver ces données et ces preuves. D'accord ? Ça, c'est un aspect de la démarche scientifique sur lequel Carnap a tellement insisté. Bien. Et ça, c'est au fond le projet carnapien d'établir une sorte de logique inductive fondée sur le calcul des probabilités. Et ça, c'est au fond essayer de représenter d'une manière systématique l'idée de la vérifiabilité. L'idée que la science est guidée par la recherche de vérification d'une hypothèse. Et qu'on ne peut pas... c'est un aspect de la démarche. L'aspect que lui a opposé Popper et que souligne Popper, c'est que en science, on ne recherche pas, à partir d'une certaine donnée, l'hypothèse la plus probable. On ne veut pas que l'hypothèse, étant donné les données, la théorie qu'on formule est la plus grande probabilité, parce que la probabilité maximale d'une hypothèse par rapport aux données a le moins de contenu informatif. Et par conséquent, si en science on recherche des hypothèses aussi étendues que possible, aussi hardies que possible, aussi imaginatives que possible, eh bien la mesure de cette imagination, la mesure de ce contenu informatif d'une hypothèse par rapport à ce qu'on sait déjà, par rapport aux données déjà, se mesure par l'improbabilité de la théorie. Donc, au fond, Popper dit que Carnap a fait l'erreur de prétendre que, à partir des données dont on dispose, la meilleure théorie entre deux hypothèses rivales, la meilleure serait la plus probable. Popper oppose à cette idée qu'entre deux théories, compte tenu des données, la meilleure serait celle qui est la plus probable par rapport aux données, celle dont la probabilité conditionnelle par rapport aux données serait la plus élevée. Popper oppose l'idée que non, une bonne mesure de la qualité d'une hypothèse, de la qualité d'une théorie, c'est de nous apprendre quelque chose qui n'est pas déjà contenu dans les données. Or, le fait qu'une théorie doive nous apprendre quelque chose qui n'est pas déjà contenu dans les données se mesure par l'improbabilité de l'hypothèse par rapport aux données, que la meilleure de deux hypothèses doit être celle qui est la plus improbable. Mais on voit bien, en fait, que, il ne parle pas exactement de la même chose. C'est-à-dire que ce que Carnap veut dire, c'est que lorsqu'on dispose d'une théorie, d'accord, tous les corbeaux sont noirs, eh bien,
chaque fois qu'on va observer qu'un corbeau est noir, ça va apporter une... ça va renforcer, ça va soutenir inductivement notre hypothèse. C'est ça que dit Carnap. C'est que nous, nous formulons une certaine hypothèse et toutes les données que nous pouvons accumuler en faveur de cette hypothèse vont faire pencher la balance envers cette hypothèse, vont renforcer la probabilité de l'hypothèse. Ce que souligne Popper, en revanche, c'est que une fois qu'on a un certain nombre de preuves et qu'on essaye d'imaginer la meilleure des théories, on ne veut pas simplement que l'hypothèse répète mot à mot les données, et ça, la probabilité serait 100%. C'est-à-dire que si effectivement, à partir d'une proposition qui décrirait les données, la proposition qui aurait la probabilité la plus haute serait celle qui est la plus certaine, c'est-à-dire celle qui consiste simplement à reproduire, à répéter les choses. Donc Popper souligne que non, à partir de données existantes, eh bien certainement ce que la théorie devrait nous apprendre des choses qui ne sont pas déjà contenues dans les données, et donc à partir du moment où on a déjà des données disponibles, l'hypothèse doit être improbable d'un certain point de vue. Mais alors que Popper parle d'une situation où on dispose déjà des données et on imagine ce que doit être la théorie par rapport à ces données, et que l'improbabilité est une mesure de la qualité de cette hypothèse, Carnap, lui, parle d'une situation dans laquelle on dispose d'une hypothèse, et quelle attitude on doit avoir par rapport à des preuves qui vont éventuellement apporter une confirmation supplémentaire à l'hypothèse dont on dispose. Bien. Donc ça, c'est un aspect qui est, disons, qui est discuté, qui est toujours discuté, cet équilibre, disons, entre la probabilité d'une hypothèse par rapport aux données et la confirmation qu'apportent des données compatibles avec l'hypothèse en philosophie des sciences, en philosophie générale des sciences, ces choses sont toujours discutées et ce serait une erreur de penser que la question a été tranchée une fois pour toutes par Carnap, par Popper, je veux dire, et donc les choses sont toujours en discussion. Alors, cela étant, il y a un aspect très important du programme des empiristes logiques il y a deux aspects qui ont été, longuement débattus. Et au fond, je dirais qu'aujourd'hui, la majorité des philosophes qui réfléchissent à ces questions considèrent que le programme des empiristes logiques a rencontré une certaine limite, en quelque sorte. D'une part, c'est l'idée que on pourrait vraiment, dans le vocabulaire descriptif d'une théorie scientifique, d'une théorie physique ou d'une théorie chimique ou d'une théorie biologique, disons, donc le vocabulaire non logique, on pourrait véritablement distinguer mot à mot les termes selon qu'ils désignent des entités observables et des propriétés observables d'entités observables ou des entités non observables d'entités non observables. Cette idée qu'on peut, en quelque sorte, introduire une distinction de principe entre les termes d'une théorie, ce que les empiristes logiques ont appelé, ce que Carnap a appelé dans des articles très importants, le vocabulaire observationnel et le vocabulaire théorique, cette idée-là est à peu près rejetée aujourd'hui par la majorité des philosophes qui considèrent que on ne peut pas distinguer dans le vocabulaire d'une science, disons, clairement, une fois pour toutes, deux catégories de mots selon que ils font ou non référence à des choses observables, en tout cas que cette dualité n'est pas on ne peut pas fournir un principe utile qui permettent de distinguer les termes en fonction du fait qu'ils désignent ou pas des entités observables. Et en tout cas, qu'il est souvent malvenu de qualifier de théorique un terme sous prétexte qu'il ne désigne pas une entité observable. Alors ça, c'est un aspect de la critique et de la discussion intéressante du programme de l'empirisme logique et au fond d'une refonte de la conception de l'empiriste qu'avaient les membres de ce mouvement philosophique, c'est que au fond, la part qui revient à l'expérience et la part qui revient à la théorie ne peut pas être effectuée, cette distinction ne peut pas s'effectuer sur la base des mots, d'une distinction entre deux catégories de mots, deux sortes de vocabulaire. L'autre aspect de la discussion
des thèses de l'empirisme logique, qui est évidemment très importante dans la philosophie contemporaine, c'est la fameuse dualité dont j'ai parlé tout à l'heure entre la nature de la logique, des propositions logiques et mathématiques d'un côté et la nature des propositions des sciences empiriques de l'autre, en particulier sous le terme qui était très employé par Carnap et les philosophes de l'empirisme logique, la distinction entre les propositions dites analytiques, c'est-à-dire essentiellement pour Carnap, les propositions que Wittgenstein aurait qualifiées de tautologie d'un côté et les propositions synthétiques, c'est-à-dire les propositions des sciences empiriques, la distinction issue donc du Tractatus, reprise par Carnap, a été sévèrement critiquée, notamment par Quine, disons, à partir des années, milieu des années 30, dans un article célèbre qui s'appelle « Truth by Convention », la vérité par convention, où il essaye de de faire une critique absolument systématique de l'idée même que des conventions peuvent être responsable pour la vérité d'une certaine proposition. Donc, disons que son idée, c'est que, l'idée de Quine, c'est qu'on ne peut pas, par convention, par des conventions, expliquer la vérité de toutes les propositions de la logique et des mathématiques. On ne peut expliquer que la vérité d'un nombre fini de propositions. Une convention, c'est un rassemblement. Une convention, au sens étymologique, au sens naturel des mots, c'est un rassemblement de gens, d'êtres humains, disons, dans une convention qui passe une... Enfin, le mot convention, c'est à la fois passer une transaction dans une assemblée, disons, n'est-ce pas? La convention, au sens, disons, politique, c'est bon. Donc, il faut que les gens se réunissent à un moment donné et se disent, bon, eh bien, admettons que la proposition numéro 1 soit vraie, la proposition numéro 2 soit vraie, la proposition numéro 3 soit vraie. C'est ça que veut dire la vérité par convention. C'est ça que voudrait dire le conventionnalisme en philosophie des mathématiques au sens de Poincaré, au sens où Carnap a repris l'idée de vérité par convention, voudrait dire que les gens s'accordent pour décider que telle proposition est vraie et pas telle autre, disons. Bon. Or, par une convention, les gens ne peuvent s'assurer ou déterminer la vérité que d'un nombre fini de propositions. Je veux dire, on ne peut pas déterminer une infinité de propositions par convention. Or, les vérités de la logique, dit Quine, les vérités de la logique sont en nombre infini. Donc, si on s'assure de, par convention, de la vérité d'un nombre fini de propositions, il va falloir qu'on dérive de ces propositions vraies, par convention, une infinité de vérités grâce à des lois logiques, mais grâce à des règles d'inférence. Il va falloir qu'il y ait un mécanisme qui nous permette de dériver l'infinité des vérités logiques à partir de l'ensemble fini des vérités dont nous nous serons assurés par convention. Et qu'est-ce qui nous assurera de la vérité des règles qui nous permettent de dériver l'infinité des vérités logiques? Donc l'idée de Quine essaie de ruiner en quelque sorte l'idée qu'on peut établir par convention la vérité d'une classe infinie de vérités, qu'elle soit logique ou autre. Et donc il essaie de montrer qu'en fait le prétendu conventionnalisme ne peut pas être une solution philosophique à la nature des vérités logiques. Ensuite, à partir du début des années 50, et en particulier dans ce célèbre article très fameux de lui qui s'appelle « Les deux dogmes de l'empirisme »,« Two dogmas of empiricism », donc il va soumettre à une critique sévère l'idée qu'on peut distinguer d'une manière tranchée les propositions logiques et mathématiques d'un côté qui fixeraient purement et simplement la signification des termes logiques et mathématiques et les propositions dites synthétiques, les propositions synthétiques qui sont les propositions des sciences de la nature, des sciences qui nous révèlent la vérité sur le monde, en prétendant, comme le disait Carnap à la suite de Wittgenstein, que les vérités logiques et mathématiques, les propositions analytiques, ne nous disent absolument rien sur le monde. Et ce que dit Quine, c'est qu'en fait, elles nous disent quelque chose sur le monde, mais elles nous disent quelque chose qui est très général sur le monde. Mais pas, elles nous disent des choses très générales sur le monde dont nous avons absolument besoin dans notre connaissance du monde, mais on ne peut pas prétendre que ces vérités très générales sur la structure du monde aussi ne sont pas des vérités sur la structure du monde, que ce seraient des vérités qui parleraient de toute autre chose que du monde. Pour Quine, tout parle du monde, collectivement tout parle du monde, et on ne peut pas, dans notre conception générale du monde, y compris la logique, les mathématiques et le reste, on ne peut pas tirer des choses qui sont sur le monde et des choses qui ne sont pas sur le monde. On a une image globale, une sorte de toile d'araignée générale
que nous imposons sur le monde, et on ne peut pas, proposition par proposition, dire ça, c'est, ça ça porte pas sur le monde, et ça, ça porte sur le monde. En fait, nous, sans la logique, sans les mathématiques, nous ne saurions, dit Quine, nous ne pourrions simplement faire aucune inférence du tout, nous ne pourrions absolument pas commencer à faire des observations ou à tirer des conséquences, et notre connaissance du monde ne pourrait simplement même pas démarrer. Et donc, en fait, ils remettent en cause l'idée qu'il y a des propositions qui portent sur le monde et d'autres qui portent sur autre chose. Tout porte sur le monde, mais disons avec un degré de généralité ou de détail qui peut varier. Et donc, il a cette idée, disons, qu'il emprunte plus ou moins à Duhem, le philosophe français, le philosophe des sciences, physicien, philosophe des sciences français, cette idée holistique que lorsque, par exemple, on essaye de mettre une théorie physique ou une théorie chimique, une théorie empirique à l'épreuve, on a besoin de la logique. On ne peut pas se passer de la logique. C'est-à-dire, on ne peut pas, dériver une prédiction d'une théorie si on n'a pas des conséquences, des liens de conséquences logiques. Et donc, en fait, quand on teste la théorie, on teste tout. Sur le plan des principes, en quelque sorte, on pourrait remettre en question. S'il y a un désaccord entre la théorie et ce qu'on observe, disons, ce qu'on teste, ce qu'on a testé, c'est la théorie et sa relation et sa conjonction avec les lois logiques. Donc, a priori, il se pourrait à un moment donné qu'on ait besoin de remédier, de rechanger notre logique. Et que donc, dans la mesure où la logique est impliquée dans un test, parce qu'elle est nécessaire pour aller d'une théorie à l'observation, que sans la logique, on ne passe pas de la théorie à l'observation, pourquoi est-ce qu'on ne blâmerait pas, s'il y a un conflit entre la théorie et l'observation? En fait, le conflit n'est pas entre la théorie isolée et l'observation, c'est le conflit entre la théorie et la logique ensemble, qui nous permettent d'aller de la théorie à la conséquence observationnelle, à la prédiction. Donc on teste la totalité, on teste la conjonction de l'hypothèse particulière. En général, d'ailleurs, on ne teste pas une hypothèse, on teste un ensemble d'hypothèses, parce que si, par exemple, on a besoin d'avoir un instrument pour observer, pour faire une observation dans le ciel, ou pour faire... il y a aussi des théories qui ont été utilisées pour construire l'instrument. Donc, en général... ce sur quoi insiste Duhem et que reprend Quine, c'est le caractère holistique, la collectivité des propositions qui sont impliquées dans n'importe quelle situation expérimentale, mais il tire du holisme à la Duhem une conséquence que Duhem n'avait pas tirée. C'est qu'il n'y a pas de différence de nature entre la logique et les mathématiques d'un côté, les propositions scientifiques de l'autre, tout est dans le même sac parce que, et au fond, d'une certaine manière, les sciences, certains aspects de la physique des années 20 et 30, des années 15, 20 et 30, ont donné une certaine raison de penser comme Quine pense, c'est-à-dire que la relativité générale de Einstein, c'est essentiellement l'idée que... des observations physiques peuvent nous amener, disons, le progrès expérimental de la physique peut nous amener à changer de géométrie. Alors, la géométrie, c'est évidemment pas quelque chose qui paraît très facile à tester empiriquement. Et au fond, ce que la relativité générale a dit, c'est que l'espace physique du monde n'est pas euclidien, mais non euclidien. Donc, l'exemple de la relativité générale, c'est l'exemple, disons, d'une situation expérimentale jugée par un physicien de génie comme étant une raison de changer de géométrie, alors que typiquement, c'est exactement le genre de choses, disons, qu'un philosophe de l'empirisme logique, et pourtant les empiristes logiques ont bien connu la situation expérimentale, mais ils n'ont pas fait cette déduction que fait Quine, de l'exemple de la relativité générale. C'est-à-dire que la relativité générale, c'est-à-dire l'hypothèse, la théorie d'Einstein selon laquelle l'espace est non euclidien et n'est pas euclidien, montre que dans certaines situations expérimentales, c'est pas une petite théorie physique isolée, on change véritablement une hypothèse qu'on considérait comme très profonde et qu'on croyait relativement à l'abri de l'épreuve expérimentale, disons la géométrie, pour au fond changer l'idée pour changer la géométrie, pour passer d'une géométrie euclidienne à une géométrie non euclidienne comme système de description d'espace physique, c'est un choix très radical. Il paraissait, disons, avant Einstein, il aurait paru très invraisemblable, très peu plausible que la physique peut nous obliger à changer notre conception géométrique de l'espace, disons, pour décrire l'univers. Et puis, un autre exemple, je ne dis pas que cet autre exemple est aussi spectaculaire que celui du changement de géométrie, mais disons que les problèmes que rencontre l'interprétation de la mécanique quantique
pour certains philosophes, pour certains physiciens, pourrait être prise comme le signe qu'il faut changer de logique, qu'il faut renoncer à certaines lois logiques classiques, comme par exemple le principe du tiers exclu, que pour rendre compte de la situation de la mécanique quantique, eh bien, des situations d'observation, par exemple des inégalités de Bell ou autres, eh bien, il faudrait par exemple, en fait, faire une modification dans l'ensemble des lois logiques. Donc, ces situations scientifiques de la relativité générale ou de la mécanique quantique, disons, sont des situations qui vont à l'appui de l'idée quinienne, qui va plus loin que du M, qui part de cette idée du Mienne, que lorsqu'on teste une hypothèse, on ne teste pas seulement une hypothèse, on teste l'hypothèse, plus probablement les théories qui sont à la source de la construction des instruments qui ont permis de réaliser ces instruments qui permettent de faire des observations. Et puis, on teste la logique et la partie des mathématiques impliquées dans la théorie et la logique qui nous permet de passer de la théorie ou de l'ensemble des hypothèses à la prédiction, d'accord ? Qu'on fait un test qui est collectif et que donc, en fait, il y a une différence de degré entre la logique et les mathématiques d'un côté et les propositions apparemment des sciences expérimentales, des sciences empiriques, mais il n'y a pas une différence tranchée, il n'y a pas une différence de nature entre les propositions analytiques et les propositions synthétiques, entre des propositions purement tautologiques, comme aurait dit Wittgenstein et comme disait Carnap, qui seraient vraies par convention, et des propositions scientifiques, des propositions empiriques, dont le sort est décidé par des observations. Non, les observations peuvent décider de n'importe quoi. Selon la relativité générale prouve que des observations peuvent nous amener à modifier notre conception de la géométrie, ce qui paraissait hautement improbable avant la relativité générale. Donc ça, c'est l'idée quinienne selon laquelle il faut renoncer à une séparation tranchée entre les propositions analytiques et les propositions synthétiques. Et au fond, c'est probablement la critique la plus profonde. Disons, c'est une critique vraiment très intéressante, qui est toujours, disons, une question débattue. Sur le plan, disons, de la philosophie des sciences, c'est une question qui est largement débattue. Dans quelle mesure Quine a raison? Dans quelle mesure est-ce que est-ce que vraiment tous les principes sont, disons, susceptibles d'être révisés? La révisabilité ou de n'importe quel principe, y compris les lois logiques, c'est des choses qui sont très débattues. Quine, donc, a pris une position très tranchée sur cette question en disant oui, toutes les propositions sont révisables en principe, il n'y a pas de différence de nature. Même s'il est plus difficile d'imaginer un schème conceptuel cohérent global, par exemple, qui ne reposerait pas sur le principe de non-contradiction. Disons, pour l'esprit humain ou le cerveau, disons, c'est plus difficile. Mais ça ne veut pas dire qu'en principe, le principe de non-contradiction soit à l'abri, une fois pour toutes, disons. Putnam a écrit beaucoup sur ces questions à la suite de Quine. Il a une vue de ces questions qui est très influencée, très proche de celle de Quine, et qui à certains égards est plus nuancée que celle de Quine, mais fondamentalement, disons, il se rapproche de la position de Quine à quelques nuances près. Et à certains égards, certaines de ces discussions sur l'analyticité et sur la définition des propositions analytiques, alors, a été dans la philosophie et puis dans une certaine manière dans la linguistique et la philosophie du langage contemporaine, a subi une évolution indépendante du problème de la philosophie des sciences lorsque on se pose la question de savoir si dans la compétence linguistique, disons, d'un être humain adulte, il y a une différence entre les propositions qui dépendent entièrement de la signification des constituants et, disons, les croyances sur le monde. Donc, par exemple, est-ce que, du point de vue du comportement linguistique d'un francophone, disons, est-ce que on doit traiter différemment le fait que on juge que, disons, ce fauteuil est orange et qu'on juge, par exemple, qu'un célibataire est une personne non mariée, c'est-à-dire est-ce que, disons, sur le plan du savoir linguistique de quelqu'un, est-ce qu'on veut représenter, disons, la manière dont l'attitude, disons, du locuteur à l'égard du fait qu'il observe, disons, la couleur de ce fauteuil orange et le fait que
Bon, disons, il n'y a rien dans, sa, dans, dans le concept de fauteuil, en quelque sorte, qui probablement implique qu'il soit orange, et on peut certainement prédiquer d'un fauteuil d'autres couleurs. Disons. En revanche, est-ce que ça a un sens pour un francophone de dire qu'un célibataire n'est pas marié ? Comment est-ce qu'on pourrait, comment est-ce que quelqu'un pourrait, disons, changer d'avis sur le fait que... Et comment est-ce qu'on peut représenter ça dans le lexique, disons, la connaissance lexicale, la compétence lexicale d'un locuteur ? Ces questions, maintenant, sont des questions qui sont discutées beaucoup en linguistique, par les philosophes du langage, indépendamment des problèmes de philosophie des sciences dont nous avons parlé. Pour conclure, en tout cas, sur l'empirisme logique, moi, j'aurais envie de dire que... l'importance de ce mouvement, qui a été certainement très longtemps ignoré en France, disons que c'est intéressant de penser sur le plan alors vraiment historique et quasi sociologique, que un grand congrès de philosophie des sciences s'est tenu en 1935 à la Sorbonne, 1935, donc 4 ans avant le début de la Deuxième Guerre mondiale, ont participé à ce colloque des logiciens éminents comme Tarski, dont je n'ai pas parlé, comme Carnap était là, je ne sais plus si Russell participait à ce colloque, en tout cas donc il y avait une considérable réunion à Paris de philosophes qui se reconnaissaient, disons, dans le programme de l'empirisme logique. Et il se trouve que ce mouvement d'idées a eu très peu d'écho à l'époque en France. Donc là, il faudrait s'interroger sur qu'est-ce qui intéressait beaucoup les philosophes ou les savants français de l'époque, et les facteurs qui ont fait que les savants et les philosophes de l'époque, disons, ont peu communiqué, ont peu débattu avec les philosophes de ce mouvement, qui en revanche a essaimé dans les pays anglophones de manière très fructueuse, qui a beaucoup modelé la philosophie nord-américaine, la philosophie australienne, la philosophie anglaise aussi, à partir de la guerre, puisque donc il y a eu cette émigration importante, je pense que ils ont apporté un style de philosophie très original, en ce sens que déjà avec Russell, mais poussé à un degré encore peut-être plus aigu chez eux, un sens de la minutie, du détail de l'argumentation, essayer de formuler les thèses avec le plus de précision possible pour que précisément la discussion collective soit pertinente pour réviser les formulations des principes et des hypothèses philosophiques. Donc, je pense qu'ils ont contribué à donner à la philosophie, qu'on nomme la philosophie analytique, un style argumentatif, un style de précision qui est certainement très unique et très distinctif. Je considère par exemple que Carnap est certainement, quelle que soit la discussion qu'on peut avoir, disons, justement, de ses contributions en logique inductive, sur le critère vérificationniste de la signification cognitive, sur la distinction entre proposition analytique et proposition synthétique, disons, la lecture des travaux de Carnap me paraît rester, ou des travaux de Hempel, me paraît rester, disons, un exemple extrêmement important de philosophes qui sont vraiment soucieux de la précision, soucieux du détail de la formulation, de manière à pouvoir se prêter à des objections détaillées, à des objections critiques. Et l'idée que cette discussion détaillée est une condition d'un progrès aussi dans un domaine comme la philosophie, qui n'est pas directement accessible à l'expérimentation, mais où l'argumentation reste essentiellement l'outil fondamental de la méthodologie, disons, je pense que là, ils ont joué un rôle vraiment très éminent.